S'il existe de nombreuses écoles prestigieuses et coûteuses dans le monde entier, il y en a quelques-unes que seuls les milliardaires les plus riches du monde peuvent envoyer leurs enfants en PC. Ces établissements se targuent de frais de scolarité élevés, mais aussi du type d'éducation, de relations et d'expériences qu'ils offrent. Découvrons 14 des écoles secrètes les plus chères que seuls les milliardaires peuvent s'offrir. Eton College, Royaume-Uni. Fondé par le roi Henri VI en 1440 à Windsor, dans le Berkshire, Eton College peut se targuer d'un illustre héritage qui s'étend sur plusieurs siècles. Son association avec la royauté et les hommes d'État au fil des ans a ajouté à son caractère mystique. Cette histoire à elle seule en fait un choix séduisant pour les personnes fortunées. Eton est réputée pour sa rigueur académique. Elle se classe régulièrement parmi les meilleures écoles du monde et ses diplômés sont envoyés dans des universités d'élite, notamment Oxford et Cambridge. La qualité de l'enseignement y est inégalée, ce qui attire les familles désireuses d'investir dans l'avenir de leurs enfants. Les installations d'Eton sont tout simplement somptueuses. Le campus est un chef-d'œuvre de beauté architecturale, avec des bâtiments historiques, des salles de classe ultra-modernes, des laboratoires scientifiques bien équipés, une bibliothèque dotée d'une vaste collection et des installations sportives de pointe. Eton emploie un corps professoral hautement qualifié, souvent recruté dans les meilleurs établissements d'enseignement. Au-delà des cours, Eton propose diverses activités extrascolaires, de la musique au théâtre en passant par le sport et les activités de plein air. Les étudiants peuvent bénéficier d'un encadrement et d'installations de classe mondiale dans ces domaines, ce qui favorise un développement équilibré. Avec des classes de petite taille et un ratio élève, enseignant impressionnant, Eton offre une attention individualisée à chaque élève, en veillant à ce que ses talents et ses besoins uniques soient pris en compte. La fréquentation d'Eton ouvre les portes d'un solide réseau d'anciens élèves influents. Ce réseau peut s'avérer inestimable pour la carrière future d'un élève, ce qui fait de l'école un choix de premier ordre pour les familles qui cherchent à établir ou à développer leurs relations. L'esprit d'Eton met l'accent sur le développement du caractère, visant à faire des jeunes hommes des adultes socialement responsables. L'école met également l'accent sur la tradition et les valeurs, inculquant à ses élèves un sens de l'honneur et de l'intégrité. Cet engagement en faveur de la formation du caractère contribue à l'exclusivité de l'expérience éducative d'Eton. Le coût de la scolarité à Eton est élevé, avec des frais de scolarité dépassant 46 000 livres sterling, soit environ 56 000 dollars par an. Il s'agit d'un engagement financier considérable que seules les personnes les plus aisées peuvent se permettre. En outre, s'il existe des bourses d'études, elles sont très compétitives. L'attrait d'Eton ne réside pas seulement dans son enseignement, mais aussi dans les portes qu'il ouvre et les liens qu'il permet de tisser tout au long de la vie. Pour les milliardaires du monde entier, Eton représente un investissement dans l'avenir de leur enfant et dans la perpétuation de l'héritage familial. Harrow School, Royaume-Uni. La Harrow School est une institution prestigieuse qui se classe régulièrement parmi les écoles les plus exclusives et les plus chères du monde. L'école a été fondée en 1572 sous le règne de la reine Elizabeth Primrose. Souvent réservée à l'élite mondiale, voire aux milliardaires, elle offre une expérience éducative véritablement inégalée. L'un de ses traits distinctifs est son campus tentaculaire de 300 acres. Ce vaste domaine est un mélange d'excellence académique et de beauté naturelle. Il dispose d'une gamme variée d'installations qui rivalise avec celle des meilleures écoles. D'une salle de sport moderne entièrement équipée et d'une piscine de 25 mètres à des terrains de sport d'hiver, de badminton, de cricket et de tennis en toute saison, les installations sportives sont tout simplement de classe mondiale. L'école dispose même d'un mur d'escalade, d'un parcours de golf à 9 trous et d'un lac de pêche paisible. Pour les artistes en herbe, l'école Harrow est un havre de paix. Son département d'art et de design est un paradis créatif, avec 6 studios spacieux pour la peinture, la gravure, la sculpture, la céramique, la sculpture sur pierre, la photographie, etc. Des technologies de pointe telles que la découpe au laser et l'impression 3D sont à la disposition des étudiants. L'établissement est également un havre de paix pour les passionnés de musique. L'école de musique de Harrow dispose de salles de formation et de répétitions spécialisées, d'une salle de concert pour la musique de chambre et d'une impressionnante collection d'orgues et de pianos à queue, dont un Steinway D et un Fazioli. Au-delà de ces installations de classe mondiale, l'école est fière de ses prouesses pédagogiques. Le personnel enseignant est de premier ordre, environ 20% d'entre eux étant titulaires d'un doctorat et nombre d'entre eux contribuant activement à la recherche et au monde universitaire. Les classes de petite taille garantissent une attention personnalisée et favorisent un environnement d'apprentissage riche. Mais ce qui distingue vraiment la Harrow School, c'est son attachement indéfectible à la tradition. L'ancien uniforme des étudiants, un chapeau de paille, un costume et une cravate, est toujours conservé. Harrow School plonge les élèves dans un environnement élitiste et sélectif.
Elle offre une occasion rare de rejoindre les hautes sphères de la société britannique en côtoyant les enfants de dignitaires, de membres de la famille royale et de personnalités influentes du monde entier. Cette exclusivité est un élément essentiel de son attrait. La Harrow School est indéniablement chère, les frais de scolarité annuels atteignant la somme astronomique de 50 550 livres sterling, soit l'équivalent d'environ 63 000 dollars américains. Toutefois, ce coût n'est pas sans justification. Il couvre les installations somptueuses, les éducateurs de haut niveau et l'environnement unique qui cultive les futurs dirigeants, artistes et érudits. Même s'il s'agit de l'une des écoles les plus chères de la planète, elle n'en reste pas moins une institution ambitieuse pour ceux qui peuvent s'offrir son air raréfié. Lawrenceville School, États-Unis. La Lawrenceville School, située aux États-Unis, est souvent citée parmi les écoles préparatoires les plus exclusives et les plus chères au monde. Sa réputation d'établissement de premier plan repose sur une combinaison d'installations exceptionnelles, de programmes académiques remarquables et d'un engagement à offrir aux étudiants une expérience éducative inégalée. Lawrenceville est fière de son programme d'études rigoureux. Avec un faible ratio étudiants-faculté, les étudiants bénéficient d'une attention personnalisée de la part d'éducateurs dévoués. Le corps professoral est composé de professionnels expérimentés, souvent titulaires de diplômes supérieurs dans leur domaine. Le campus de Lawrenceville s'étend sur une vaste superficie de 700 acres et compte 38 bâtiments principaux. Ces installations comprennent l'impressionnante bibliothèque Boone, qui peut accueillir un nombre stupéfiant de 100 000 volumes. L'engagement de l'école à créer un environnement d'apprentissage optimal est évident dans ses salles de classe modernes, ses laboratoires avancés et son infrastructure technologique de pointe. Conçus par des architectes de renom, certains bâtiments, comme le Wood Memorial Hall, sont des merveilles architecturales. La beauté esthétique du campus, caractérisée par des structures telles que les Circle Houses, conçues par Frederick Law Olmsted, ajoute à son attrait. Pour les amateurs de sport, Lawrenceville offre un éventail d'installations sportives qui rivalisent avec celles des petites universités. Avec 8 terrains d'athlétisme, un parcours de golf de 9 trous, des cours de tennis, des pistes, un hangar à bateaux, une arène de hockey et un parcours d'alpinisme, les étudiants ont toutes les possibilités de s'adonner à leur passion sportive. Lawrenceville encourage les étudiants à explorer un large éventail de centres d'intérêt grâce à ses nombreux programmes extrascolaires. Qu'il s'agisse des arts, de la musique, des débats ou du service communautaire, les étudiants peuvent s'engager dans des activités qui correspondent à leur passion et à leurs objectifs. Le campus de l'école devient un centre d'activité estivale, accueillant divers camps sportifs pour les jeunes et des programmes académiques. Avec une histoire qui remonte à 1810, Lawrenceville a produit des anciens élèves remarquables qui ont contribué de manière significative à divers domaines, y compris les affaires, la politique et les arts. Lawrenceville maintient un petit nombre d'étudiants sélectifs avec 62 600 $ pour les élèves externes et 76 420 $ pour les élèves internes. Cette exclusivité garantit que chaque étudiant bénéficie d'une expérience éducative personnalisée et intime, ce qui justifie le coût élevé de l'école. La capacité de l'école à investir continuellement dans ses installations, son corps professoral et ses programmes est rendue possible par une dotation substantielle qui s'élève à 487,2 millions de dollars, ce qui permet à Lawrenceville d'offrir une éducation de premier ordre. Si le coût des études à Lawrenceville est effectivement élevé, il reflète le niveau de qualité et les opportunités que cette prestigieuse institution offre à ses étudiants. L'école américaine en Suisse, TASIS. Fondée en 1956 par M. Christ Fleming, TASIS, ou The American School in Switzerland, fait souvent partie de l'élite. Elle s'enorgueillit d'un remarquable mélange d'éducation de classe mondiale, d'installations étonnantes et d'un engagement à former des citoyens du monde. Le campus de TASIS est un véritable paradis dans le canton suisse du Tessin. Entouré par le pittoresque lac de Lugano et les majestueuses Alpes suisses, il offre une toile de fond impressionnante pour l'apprentissage. Les étudiants vivent dans un mélange de bâtiments historiques du 16e siècle et de dortoirs ultramodernes et respectueux de l'environnement, offrant un mélange unique de tradition et de modernité. TASIS est fier de dispenser un enseignement de haut niveau qui prépare les élèves à un avenir compétitif à l'échelle mondiale. Le programme d'études s'aligne sur le programme du baccalauréat international, IB, réputé pour sa rigueur et l'importance qu'il accorde à la pensée critique. Les classes de petite taille garantissent une attention personnalisée et favorisent un environnement propice à la réussite scolaire. TASIS s'enorgueillit d'être un véritable creuset de culture. Avec des étudiants originaires de plus de 60 nations, elle offre une opportunité inégalée d'échanges culturels et de compréhension globale. Cette diversité enrichit l'expérience éducative et prépare les élèves à un monde de plus en plus interconnecté. L'engagement de l'école envers les arts est évident dans ses offres étendues. Les élèves peuvent choisir parmi une vingtaine de programmes dans les domaines des arts visuels, du théâtre et de la musique. Leurs efforts créatifs sont couronnés par le Spring Arts Festival, où leur travail est présenté aux côtés de celui d'artistes renommés.
ce qui favorise l'épanouissement et l'appréciation artistique. TASIS encourage une approche holistique de l'éducation qui s'étend à l'activité physique. Selon la saison, les élèves peuvent s'adonner à un large éventail d'activités de plein air, du ski à l'exploration des paysages suisses à couper le souffle, ce qui favorise la forme physique et l'amour du grand air. TASIS s'efforce d'inculquer à ses étudiants le sens de la responsabilité sociale. Le programme de service global offre des opportunités de service communautaire, de projets humanitaires et de sensibilisation, favorisant l'empathie et l'engagement à avoir un impact positif sur le monde. Toutes ces caractéristiques exceptionnelles ont un coût. Les frais annuels pour le collège et le lycée de TASIS s'élèvent à environ 104 000 $, ce qui en fait une école exclusivement à la portée des personnes et des familles les plus riches du monde. En conclusion, TASIS se distingue comme un joyau éducatif où convergent l'excellence académique, la diversité culturelle, un environnement époustouflant et un engagement en faveur de l'épanouissement personnel. Hurtwood House School, Royaume-Uni. Le campus de Hurtwood House School est un témoignage d'opulence et de grandeur. Niché dans les sereines collines du Surrey, l'école occupe un vaste campus rural avec un domaine de 200 acres. Sa pièce maîtresse est un manoir édouardien, symbole de l'élégance et du charme historique. Ce cadre exquis constitue une toile de fond idyllique pour l'éducation, créant une atmosphère de privilège et de sophistication. L'un des facteurs clés contribuant à la réputation d'excellence de l'école est son remarquable ratio élèves-enseignants de 1 pour 6. Bien que l'école propose un système d'internat traditionnel, elle va encore plus loin en termes d'équipement et de commodité. L'infrastructure académique comprend des salles de classe et des laboratoires ultramodernes, avec un accent particulier sur les matières comme les mathématiques, où l'école excelle. Cependant, ce qui distingue Hurtwood House, c'est l'accent mis sur les arts du spectacle. Les installations pour le théâtre, la musique, les médias et l'art sont inégalées. Au-delà des études, l'école encourage une culture de la créativité et du développement personnel. Elle accueille de nombreuses activités et productions créatives tout au long de l'année, ce qui enrichit encore l'expérience des étudiants. Le manoir central, qui constitue le cœur du campus, rappelle constamment la riche histoire de l'établissement et son attachement à la tradition. Les élèves de l'école Hurtwood House ont accès à des installations sportives et académiques spécialisées qui s'étendent sur les pelouses luxuriantes du domaine. Cette gamme complète d'équipements permet aux étudiants de poursuivre leur passion, que ce soit dans le domaine des arts ou de l'athlétisme. La proximité de l'école avec Londres, avec des moyens de transport facilement accessibles le week-end, permet aux étudiants d'explorer l'une des villes les plus dynamiques du monde, offrant ainsi des expériences au-delà de la salle de classe. Hurtwood House s'adresse à des étudiants d'âge mûr, généralement âgés de 15 ans et plus. L'absence de politique d'uniforme favorise le sens de l'individualité et de l'indépendance, attirant ceux qui s'épanouissent dans un tel environnement. L'école maintient un processus d'admission relativement sélectif, exigeant des étudiants qu'ils fassent preuve d'un fort potentiel ou de réalisations passées dans les matières qu'ils ont choisies. Ce qui distingue vraiment la Hurtwood House School, c'est qu'elle obtient régulièrement des résultats exceptionnels au baccalauréat. Cette institution exige un engagement académique rigoureux, garantissant aux étudiants une réussite scolaire remarquable, ce qui justifie en fin de compte son statut d'école la plus chère au monde. À 104 000 $, le coût de la scolarité et de l'internat à Hurtwood School est indéniablement élevé. Cependant, les étudiants et leurs familles qui choisissent l'école Hurtwood investissent essentiellement dans une éducation holistique qui favorise l'épanouissement personnel et les prépare à la réussite future. Collège du Léman, Genève, Suisse. Le Collège du Léman, niché dans le cadre serein de Genève, en Suisse, est un établissement d'enseignement réputé qui constitue un havre exclusif pour l'élite. Fondé en 1960 par M. Francis Clivaz, le Collège du Léman est né de la demande d'éducation bilingue des expatriés et des étrangers fortunés qui affluaient dans les cantons de Genève et de Vaud. Il a été construit sur le site d'un ancien institut au bord du lac Léman à Versoix. Dès sa création, il s'est fixé pour objectif d'offrir une éducation de niveau international à un groupe d'étudiants diversifiés. L'une des caractéristiques du Collège du Léman est son attrait mondial. Avec environ 1900 élèves, représentant plus de 100 nationalités, c'est un creuset de cultures et de milieux. Cette diversité favorise un environnement d'apprentissage unique. Le Collège du Léman possède des accréditations prestigieuses du Conseil européen des écoles internationales et de la New England Association of Schools and Colleges. Ces accréditations témoignent de l'engagement de l'école en faveur de l'excellence académique et du respect de normes internationales rigoureuses. Le campus lui-même est un témoignage de luxe. S'étendant sur 10 hectares entre les montagnes du Jura et les eaux scintillantes du lac Léman, il offre un cadre d'une beauté inégalée. Au-delà de l'esthétique, il dispose d'installations qui rivalisent avec les stations balnéaires les plus huppées.
Les élèves ont le privilège de bénéficier d'un large éventail d'équipements, dont un gymnase Olympe de 5000 m², des cours de tennis saisonniers, une piscine extérieure et même un stand de tir à l'arc. Le collège du Léman va au-delà de l'enseignement traditionnel. Les élèves ont la possibilité d'apprendre à naviguer en équipe sur le lac voisin, une activité qui ne fait généralement pas partie du programme d'un établissement d'enseignement. L'école s'associe également à la Juilliard School, de renommée mondiale, pour dispenser un programme d'études musicales offrant aux élèves l'accès au Juilliard Performing Arts Social Hub. Ce partenariat ajoute un degré d'exclusivité, garantissant aux étudiants une éducation de classe mondiale, tant sur le plan académique que sur le plan artistique. L'école propose un internat luxueux dans 15 villas, chacune étant supervisée par des parents dévoués et soutenue par des assistants et des tuteurs externes. Cette attention personnalisée permet aux élèves de se sentir chez eux tout en recevant un enseignement de haut niveau. Comme on peut s'y attendre, l'exclusivité du Collège du Léman a un prix élevé. Avec des frais de scolarité annuels d'environ 106 576 $, le Collège du Léman est l'une des écoles les plus chères au monde. Seuls les milliardaires et les personnes exceptionnellement fortunées peuvent s'offrir un tel niveau d'éducation. L'école internationale Saint George. George's International School en Suisse est un secret bien gardé parmi les familles les plus riches du monde, souvent accessible uniquement aux milliardaires et aux personnes d'élite. George's s'enorgueillit d'un campus qui ressemble à un domaine royal. Situé dans le paysage pittoresque de la Suisse, le campus présente une architecture étonnante et des jardins méticuleusement entretenus. Le bâtiment principal est un symbole de grandeur, abritant les bureaux administratifs, une magnifique salle de réunion théâtre, une bibliothèque bien fournie et des sections réservées à l'internat. Dans les salles de classe, les élèves sont plongés dans un monde de modernité. Les technologies de pointe sont intégrées de manière transparente dans l'expérience d'apprentissage, avec des tableaux blancs interactifs, des laboratoires scientifiques entièrement équipés et des salles spécialisées pour l'art, la musique, la danse et l'informatique, créant ainsi un environnement propice à l'excellence académique. Pour les étudiants qui choisissent de résider sur le campus, St. George's offre des espaces de vie opulents qui rivalisent avec le confort des hôtels haut de gamme. Les dortoirs somptueux et les suites privées s'accompagnent de services personnalisés qui garantissent aux étudiants confort et luxe pendant leur séjour. Les installations sportives sont de classe mondiale et comprennent une piscine luxueuse, des cours de tennis, des terrains de basketball et de vastes terrains de jeu, offrant aux étudiants un large éventail de possibilités sportives. De plus, il existe des centres équestres et des terrains de golf pour ceux qui s'intéressent à des sports plus spécialisés. George's accorde une grande importance aux arts. L'école possède des théâtres, des studios d'art et des salles de musique de classe mondiale, offrant aux étudiants la possibilité d'explorer et de développer leurs talents artistiques sous la direction d'instructeurs renommés. L'expérience gastronomique à St. George's n'est rien de moins qu'une expérience de gourmet. Une équipe de chefs experts prépare des repas qui répondent aux différents goûts et régimes alimentaires. Les étudiants peuvent savourer une cuisine exquise dans des salles à manger magnifiquement conçues. La culture multilingue de la Suisse est adoptée à Saint-Georges. Les élèves ont la possibilité de parler couramment plusieurs langues, dont l'anglais, le français et l'allemand, ce qui leur donne un avantage linguistique considérable dans un monde de plus en plus globalisé. Le programme international de l'école prépare les élèves à réussir dans un monde interconnecté. L'exposition à des cultures et des perspectives différentes est intégrée de manière transparente dans leur parcours éducatif, ce qui renforce leur vision globale. Avec un taux d'encadrement remarquablement bas, St. George's veille à ce que chaque élève bénéficie d'une attention et d'un encadrement personnalisé. George's veille à ce que chaque élève reçoive une attention et un encadrement personnalisé, ce qui favorise une atmosphère propice à l'apprentissage et au soutien. L'exclusivité de l'école internationale St. George's a un coût non négligeable. Les frais de scolarité annuels s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers de dollars, dépassant souvent 108 000 $. École internationale. Le Régent, Suisse. L'école internationale. Le Régent, en Suisse, est un symbole de luxe et d'excellence, niché dans la région de Grand Montana. Cette institution est un monde en soi qui s'adresse à quelques privilégiés dont l'aisance ne connaît pas de limite. Le campus du Régent est une véritable merveille architecturale. Ses installations ultramodernes ont pour toile de fond les Alpes valaisannes, offrant aux étudiants un environnement naturel sans pareil. Au Régent, l'exclusivité dépasse les frontières. Avec des étudiants originaires de Suisse et du monde entier, cette institution est un creuset de culture. Avec un corps étudiant diversifié représentant plus de 50 nationalités, le Régent garantit une expérience cosmopolite qui transcende les limites de la salle de classe. Le Régent est fier de ses programmes académiques rigoureux. L'engagement de l'école envers l'excellence est évident dans son programme d'études en langue anglaise, méticuleusement conçu pour préparer les élèves au très convoité programme du diplôme du baccalauréat international.
le programme de renommée mondiale de l'IB ouvre les portes d'universités prestigieuses dans le monde entier. Et les élèves de l'école Le Régent sont préparés à la réussite dès le départ. L'offre extrascolaire de l'école est tout simplement extraordinaire. De la pratique quotidienne d'un large éventail de sports et d'arts, dont le golf, l'équitation et le surf, aux expéditions en plein air dans les montagnes environnantes, Le Régent cultive les talents au-delà de l'académie. Son programme de l'Académie de musique et d'art dramatique de Londres pour l'art dramatique et l'art de parler en public, ainsi que son engagement dans des projets humanitaires et caritatifs, enrichissent encore l'expérience des étudiants. Le Régent propose des camps d'été exclusifs en juillet et en août. Ces camps permettent aux garçons et aux filles âgées de 8 à 18 ans d'améliorer leurs compétences linguistiques et de participer à des sports, des activités et des excursions. Depuis août 2019, Le Régent est placé sous la direction de l'Institut Le Rosé, un nom synonyme de prestige dans le monde de l'éducation. Ce partenariat permet au Régent de continuer à prospérer en tant que havre de paix pour l'élite. Toute cette grandeur, cette excellence académique et cette exclusivité ont un prix qui est bien au-delà de la portée d'une famille moyenne. Les frais annuels de l'école internationale. Le Régent s'élève à environ 114 800 dollars. C'est une école où les milliardaires cherchent à assurer l'avenir de leurs enfants, où l'argent n'est pas un problème quand il s'agit de la meilleure éducation que l'on puisse acheter. Leysin American School, LAS, Suisse. L'école américaine de Leysin est située dans les pittoresques Alpes suisses. Cette magnifique toile de fond naturel offre aux étudiants un environnement idéal pour l'apprentissage. Située dans le village alpin de Leysin, l'école offre des vues à couper le souffle et une atmosphère sereine qu'il est difficile de trouver ailleurs. La LAS est fière de sa diversité. Ce n'est pas seulement une école internationale, c'est une véritable communauté mondiale. Avec des élèves originaires de plus de 60 pays différents, la LAS favorise un environnement où les jeunes esprits peuvent interagir avec des camarades venus des quatre coins du monde. Cette diversité culturelle offre une expérience éducative unique et enrichissante, exposant les élèves à un large éventail de perspectives et de milieux. La LAS met l'accent sur l'excellence académique. L'école propose un éventail de programmes, dont le diplôme américain de fin d'études secondaires et le baccalauréat international, BI. Le programme du BI, en particulier, est réputé pour sa rigueur et sa reconnaissance internationale. La LAS offre également aux élèves la possibilité de personnaliser leur éducation grâce à des cours individuels du BI, ce qui leur permet d'approfondir leurs intérêts spécifiques. L'engagement de l'école en faveur de classes de petite taille et d'un faible ratio professeur-élève, 1 pour 8, garantit que les élèves bénéficient d'une attention individualisée. Cette approche personnalisée de l'éducation aide les élèves à atteindre leur plein potentiel et favorise un environnement d'apprentissage positif. La LAS s'enorgueillit de ses installations ultramodernes, notamment de ses différentes salles de classe, de sa médiathèque, de ses bibliothèques, de son théâtre, de sa salle de spectacle, de son laboratoire informatique et de son nouveau centre d'art. Au-delà des installations académiques, les étudiants ont accès à un large éventail d'activités récréatives, allant de l'équitation au patinage sur glace, en passant par le tennis, le hockey et la natation. Ces équipements de classe mondiale contribuent à l'expérience globale et à l'attrait de l'école. La LAS met fortement l'accent sur l'apprentissage par l'expérience à travers les voyages. Les étudiants et les professeurs s'embarquent pour des voyages éducatifs vers des destinations du monde entier, exposant les étudiants à diverses cultures et élargissant leurs horizons. Les voyages culturels obligatoires emmènent les étudiants dans différents pays, offrant une occasion unique d'immersion culturelle et d'apprentissage au-delà de la salle de classe. Le LAS dispose de 8 dortoirs méticuleusement conçus pour assurer le confort et le bien-être des étudiants. Les logements sont répartis par classe et par sexe, ce qui donne un sentiment de communauté et d'appartenance. L'exclusivité de la LAS et les équipements somptueux qu'elle offre ont un prix. Les frais de scolarité et d'internat s'élèvent à 119 515 dollars par an. Académie Shortridge. L'Académie Shortridge est située sur un vaste campus de 350 acres dans le New Hampshire. Le campus lui-même est un chef-d'œuvre, avec des bâtiments méticuleusement conçus, des paysages verdoyants et des installations ultra-modernes qui rivalisent avec celles des centres de villégiature de luxe. Au lieu des dortoirs traditionnels, les étudiants de Shortridge résident dans d'opulentes demeures disséminées sur le campus. Ces maisons bien aménagées procurent un sentiment de confort et de luxe inégalé dans le monde de l'éducation. Shortridge s'enorgueillit d'un complexe sportif comprenant des piscines olympiques, des cours de tennis, un terrain de golf et des installations équestres. Ces équipements permettent aux étudiants d'avoir accès à un large éventail d'activités sportives. Le centre des beaux-arts de l'école rivalise de théâtres professionnels, équipés de systèmes de sonorisation et d'éclairage haut de gamme, de studios d'art et de salles de répétition musicale, permettant aux étudiants de développer leurs talents artistiques.
la Shortridge Academy accorde une grande importance au bien-être de ses élèves. Le campus dispose d'un spa et d'un centre de bien-être où les étudiants peuvent bénéficier de massages thérapeutiques, de yoga, de méditation et d'autres techniques de relaxation pour maintenir un équilibre sain dans leur vie. L'expérience gastronomique à Shortridge n'est rien moins qu'extraordinaire. Les étudiants bénéficient de repas gastronomiques préparés par des chefs de classe mondiale qui mettent l'accent sur la nutrition et l'excellence culinaire. L'Académie Shortridge adopte une approche personnalisée de l'éducation. Chaque élève dispose d'un plan de développement positif, individualisé, élaboré en collaboration avec les thérapeutes, les parents, les enseignants et le personnel. Cela permet de s'assurer que les besoins et les points forts uniques de chaque élève sont pris en compte. Au-delà de l'enseignement, Shortridge offre un soutien thérapeutique complet aux élèves confrontés à des défis émotionnels et psychologiques. Des pratiques fondées sur des preuves et un personnel bien formé garantissent que la guérison émotionnelle est une priorité. L'Académie Shortridge favorise un environnement où l'influence positive des pairs est encouragée. Les élèves apprennent les uns des autres et développent des compétences sociales essentielles. L'école adopte des principes parentaux autoritaires, combinant chaleur et fermeté, fixant des attentes élevées et encourageant les discussions ouvertes et les explications, qui font partie intégrante de la croissance des élèves. L'exclusivité et l'extravagance de la Shortridge Academy ont un prix élevé. Voici pourquoi elle figure parmi les écoles les plus chères du monde. Le coût de l'entretien et de la modernisation des installations de classe mondiale est considérable, puisque les étudiants paient 125 000 $ par an. Shortridge ne lésine pas sur les moyens pour offrir un environnement luxueux et confortable à ses étudiants. Shortridge maintient des classes de petite taille afin de garantir une attention personnalisée. Cela nécessite un faible ratio élèves-enseignants, CE qui est coûteux à maintenir. Pour offrir la meilleure éducation et le meilleur soutien thérapeutique, la Shortridge Academy emploie un personnel d'élite, composé de thérapeutes, d'éducateurs et d'entraîneurs renommés. Leur expertise se paie au prix fort. Collège Alpin Beau Soleil. Le Collège Alpin Beau Soleil, situé dans les Alpes suisses, est souvent considéré comme l'une des institutions éducatives les plus prestigieuses et les plus exclusives au monde. L'un des facteurs clés qui contribue à l'exclusivité de Beau Soleil est sa situation extraordinaire. Située à 1350 mètres au-dessus du niveau de la mer à Villars-sur-Ollon, en Suisse, l'école jouit d'un cadre à couper le souffle au milieu des Alpes suisses. Beau Soleil est fier de la diversité de ses étudiants, qui représentent plus de 55 nations différentes. Ce mélange international crée une communauté dynamique et ouverte sur le monde, exposant les étudiants à une multitude de cultures, de langues et de perspectives. C'est un aspect inestimable de l'expérience Beau Soleil qui la distingue des autres. Avec une capacité d'accueil limitée à 260 élèves, Beau Soleil maintient délibérément un faible ratio élèves-enseignants, ce qui favorise un environnement soudé et positif. Chaque élève bénéficie ainsi d'une attention et d'une orientation personnalisées, ce qui l'aide à exceller sur le plan académique et personnel. Beau Soleil propose un large éventail d'activités extrascolaires qui vont bien au-delà de l'ordinaire. Du patinage sur glace à l'équitation, en passant par le yoga et la boxe, l'école encourage les élèves à explorer leur centre d'intérêt et à développer de nouvelles compétences. Ces activités ne sont pas seulement agréables, elles contribuent également au développement du caractère. Étant donné sa situation dans les Alpes suisses, Beau Soleil profite pleinement des merveilles hivernales qui l'entourent. L'école offre un programme complet de ski d'hiver, permettant aux élèves de développer leur capacité de ski tout en profitant des paysages alpins à couper le souffle. C'est une opportunité unique que peu d'écoles peuvent offrir. L'engagement de Beau Soleil à fournir une éducation complète s'étend à ses voyages éducatifs internationaux. Les élèves ont la possibilité de s'embarquer pour des voyages éducatifs à travers le monde, découvrant ainsi des cultures diverses et des sites historiques. Les éducateurs de l'école ne sont pas seulement des instructeurs, mais des mentors profondément engagés dans la réussite et le bien-être de leurs élèves. Leur passion pour l'enseignement et leur dévouement à l'excellence académique jouent un rôle crucial dans la réputation de Beau Soleil. L'exclusivité du Collège Alpin Beau Soleil a un prix. Les frais de scolarité annuels s'élèvent à environ 129 328 $. Ce montant n'inclut pas les dépenses liées aux uniformes, aux activités extrascolaires et aux autres frais accessoires. Collège de l'Aiglon, Suisse. Fondé en 1949 par John C. Corlett, le Collège de l'Aiglon est un internat exclusif qui s'adresse à l'élite et attire des familles exigeantes à la recherche d'une expérience éducative exceptionnelle pour leurs enfants. On ne saurait sous-estimer l'attrait de l'emplacement de l'Aiglon. Situé dans le charmant village alpin de Chaisières, à deux pas de la célèbre station de ski de Villars-sur-Ollon, le campus offre des vues panoramiques à couper le souffle. Le cadre serein est propice à une éducation qui fait la part belle à la nature et à l'aventure. Le campus de l'Aiglon s'étend sur environ 60 000 m² et est un témoignage de luxe et de fonctionnalité.
Composé d'une quarantaine de bâtiments et de chalets distincts, ce campus méticuleusement conçu offre un éventail d'installations de premier ordre. Des salles de classe à la pointe de la technologie aux laboratoires scientifiques bien équipés, des studios d'art à une bibliothèque bien fournie, l'Aiglon ne néglige rien pour fournir les meilleures ressources éducatives. Le cœur de la communauté unique de l'Aiglon réside dans ses internats. L'école compte 8 internats seniors et 2 internats juniors, chacun exudant son charme et son caractère. Ces maisons deviennent un foyer loin de la maison, favorisant un sentiment d'appartenance et de camaraderie parmi des étudiants d'origines diverses. Le collège Aiglon se distingue par son engagement inébranlable en faveur de l'éducation en plein air. Les étudiants ne sont pas confinés aux manuels et aux salles de classe. Ils sont encouragés à explorer les merveilles naturelles qui les entourent. Avec un programme de plein air rigoureux qui comprend des activités telles que l'escalade, le camping, la randonnée, l'alpinisme et le kayak, l'Aiglon offre une éducation holistique qui forge le caractère et la résilience. Pour les amateurs de sports d'hiver, l'Aiglon est un rêve devenu réalité. Située dans les Alpes suisses, l'école offre des possibilités inégalées de pratiquer le ski et le snowboard. Il n'est donc pas surprenant que l'Aiglon ait produit de nombreux athlètes accomplis dans ces domaines. Le collège de l'Aiglon ne se limite pas aux activités de plein air. Il excelle également sur le plan académique. L'école prépare ses élèves à l'examen du Certificat Général International d'Enseignement Secondaire et au prestigieux diplôme de l'IB. Le programme d'études rigoureux garantit que les diplômés sont bien préparés à entrer dans les meilleures universités du monde. L'engagement de l'Aiglon en faveur d'une éducation holistique est encore illustré par son appartenance au réseau Round Square. Cette association mondiale d'écoles met l'accent sur la formation du caractère, le service, le leadership et la compréhension internationale, offrant ainsi aux étudiants une éducation complète. Les installations exceptionnelles du collège Aiglon, son emplacement magnifique, essais, programmes d'éducation en plein air et son excellence académique ont un prix. Les frais annuels pour cette expérience éducative d'élite s'élèvent à environ 135 250 dollars. Institut auf dem Rosenberg, Suisse. Fondé en 1889 par Ulrich Schmidt, l'Institut auf dem Rosenberg était auparavant connu sous le nom d'Institut Doctor. Il a adopté son nom actuel dans les années 1930, après le décès de son fondateur. Cette histoire riche en rebondissements confère à l'école un certain prestige qui attire les familles attachées à la tradition. Détenue et gérée par la famille Gadmann, Rosenberg se distingue par le fait qu'elle reste une institution privée, gérée par la famille. Cette touche personnelle garantit un niveau d'exclusivité et d'attention personnalisée pratiquement inégalé. Rosenberg est située à Saint-Gall, en Suisse, et offre une expérience véritablement internationale. Des étudiants du monde entier, représentant plus de 48 nationalités, viennent ici pour recevoir une éducation de niveau international. Cet environnement diversifié favorise les échanges culturels et les perspectives globales. Le campus lui-même n'est rien moins que luxueux. S'étendant sur 100 000 m² de parcs privés, il respire la grandeur et la tranquillité. Les étudiants sont logés dans des villas Art Nouveau méticuleusement restaurées, offrant une expérience de vie qui allie charme historique et équipement moderne. Rosenberg ne lésine pas sur les moyens. Des salles de classe ultra-modernes, des laboratoires de pointe et une bibliothèque bien équipée offrent un environnement propice à l'excellence académique. Les amateurs de sport peuvent s'adonner à des activités telles que le ski, grâce à sa situation géographique, le patinage sur glace, le VTT, le golf, etc. L'école dispose même d'un bateau pour le ski nautique. L'établissement propose une grande variété de cours, dont certains sont enseignés dans différentes langues, ce qui permet aux étudiants de recevoir une éducation bien équilibrée. L'accent n'est pas uniquement mis sur la rigueur académique, mais également sur les compétences pratiques, la créativité et le développement du caractère. Au-delà de l'enseignement, Rosenberg met l'accent sur l'enrichissement des talents. Les élèves peuvent participer à une myriade de clubs et d'activités, du théâtre à la musique, en passant par l'art et le design. Le bal annuel de Rosenberg est un moment fort de la vie sociale, au cours duquel les élèves bénéficient d'un encadrement professionnel pour briller dans un cadre prestigieux. Les frais annuels, qui tournent autour de 145 500 dollars, reflètent l'engagement de l'établissement en faveur de l'excellence. Cela comprend non seulement des cours de haut niveau, mais aussi l'accès à des installations somptueuses, une attention personnalisée et un mode de vie digne des familles les plus riches du monde. En outre, Rosenberg est fier de sa politique unique qui consiste à maintenir le secret des anciens élèves et à refuser les donations, ce qui renforce encore son caractère exclusif. Institut Le Rosé, Suisse. L'Institut. Le Rosé est plus qu'une école, c'est un luxueux havre d'apprentissage. Fondé en 1880, le campus lui-même s'étend sur 69 hectares et offre une vue imprenable sur le lac Léman et les Alpes majestueuses. L'une des caractéristiques les plus remarquables du Rosé est son enseignement bilingue et biculturel. Les élèves ont la possibilité d'être instruits en français ou en anglais, en fonction de leur programme académique.
Cependant, l'offre linguistique de l'école va au-delà de l'ordinaire, avec plus de 20 langues disponibles pour l'étude. Le Roset est fier de son engagement en faveur d'une éducation personnalisée. Avec un taux d'encadrement étonnamment bas de 5 pour 1 et des classes de moins de 20 élèves en moyenne, chaque élève bénéficie d'une attention personnalisée. Le Roset applique un système de quotas unique. Pas plus de 10% des élèves peuvent être originaires d'un seul pays, ce qui favorise un environnement riche et multiculturel. La communauté des élèves, âgés de 8 à 18 ans, est un creuset de talents provenant d'environ 58 pays, dont une majorité de 60% est originaire d'Europe. Si le Roset a un prix aussi extravagant, c'est en raison du style de vie somptueux qu'il propose. Le total des frais de scolarité et des dépenses annuelles peut dépasser la somme stupéfiante de 157 000 $, couvrant non seulement l'éducation, mais aussi un mode de vie dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Des dortoirs luxueux aux repas gastronomiques, en passant par les opportunités de voyage autour du monde, le Roset ne néglige aucun détail pour offrir aux étudiants ce qu'il y a de mieux. Les anciens étudiants du Roset ressemblent à un véritable who's who mondial. Parmi les anciens élèves, on compte le roi Fuad II d'Égypte, le roi Albert II de Belgique, la princesse Marie-Chantal de Grèce, le prince Rainier et le roi Baudouin Ier de Belgique, pour n'en citer que quelques-uns. Fréquenter le Roset, c'est s'ouvrir les portes d'un monde de pouvoir et d'influence. L'originalité du Roset s'étend à la rotation de son campus. Au printemps et à l'automne, les cours ont lieu sur le campus du château du Roset, dans le village de Rolle, situé entre Genève et Lausanne, dans le canton de Vaud, en Suisse. Cependant, pendant les mois d'hiver, de janvier à mars, l'ensemble du corps étudiant est transféré dans la station de ski idyllique de Gstaad, dans le canton de Berne. Ce changement de saison ajoute une richesse supplémentaire à l'expérience des étudiants. Le Roset va au-delà des études avec un éventail de plus de 30 sports et plus de 20 clubs d'étudiants. Les étudiants peuvent faire de l'équitation, du ski ou s'engager dans des projets humanitaires et ainsi explorer leur passion. Les options sont tout aussi variées pendant les mois d'hiver. C'est cet engagement en faveur de l'excellence, associé à des installations somptueuses et à un réseau exclusif, qui fait du Roset un secret bien gardé, accessible uniquement à ceux qui peuvent se permettre de l'embrasser de manière extravagante, les milliardaires du monde entier. Seuse École représente la quintessence de l'exclusivité en matière d'éducation. Elles ne sont pas seulement des lieux d'apprentissage, mais aussi des symboles de privilège et de prestige. Si le coût financier de la fréquentation de ces établissements est indubitablement élevé, il est souvent justifié par la remarquable réussite académique qu'ils produisent systématiquement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Cliquez sur n'importe quelle carte de votre écran pour accéder à d'autres contenus de ce type et je vous y rejoindrai.